Vous êtes sur La Une Guadeloupe. Cette émission vous est présentée par S-Time et Orange Caraïbes. Mais bon, même si vous êtes des breakers, c'est du freestyle. Le freestyle, il faut s'adapter à la musique. J'ai trouvé qu'en fait, c'était assez répétitif. Et la seule chose qui m'a vraiment marqué, c'est le petit garçon qui a une bonne technique. On n'est pas très fiers de ce qu'on a fait. Bienvenue aux sélections du Summer Dance Battle. Tous les jours, on vous présente les auditions composées d'un passage chorégraphique sur une musique imposée, d'un passage freestyle, des réactions du jury et bien sûr, un interview du groupe. Originalité, énergie, cohésion de groupe, synchronisation, agressivité. Tels sont les critères pour départager les 8 équipes qui arriveront à la grande finale en Guyane. Une seule équipe gagnante pour remporter le grand prix du Summer Dance Battle. Avant le show, découvrons notre jury. Je m'appelle Sybille. Je suis danseuse de S-Time et aujourd'hui je suis dans le jury. Bonjour, moi c'est Marco, danseur chorégraphe. C'est ma 4e participation en tant que juré du Summer Dance Battle. Bonjour, je m'appelle Andrew. Je suis ancien danseur de Popin. Nadia Egalji, je suis danseuse chorégraphe et également formateur en danse hip-hop. Avant le deuxième passage, essayons d'en savoir un peu plus sur le groupe. Je m'appelle Wendy, alias Kinder, et je fais partie du groupe Authentique Gal, et je viens de Guadeloupe. On est venu participer au concours Summer Dance Battle, et gagner, c'est possible. Alors bonjour, moi c'est Leïla, alias Chun-Li. Je suis dans le groupe Authentique Gal.
Bonjour, moi c'est Alina alias Tisha. Bon, je fais partie du groupe Potentiel depuis 2 ans. Je pratique la danse depuis la 6e. Et voilà, je suis de la Guadeloupe, plus précisément de Pointe-à-Pitre et aussi de la Martinique. Voilà. Alors moi c'est Vessi, alias Badangel. Je fais partie du groupe Potentiel depuis 2 ans. On pratique la danse pour s'amuser, mais c'est une de nos passions. Du même avis que mes collègues. Bon, c'est vrai que vous avez une maîtrise du dancehall, on est d'accord. Il manquait encore pour ma part. La cohésion, ben, il n'y en a que deux hein, qui interagissent entre elles. Hein. Pour ma part, c'est les deux du milieu. Les deux autres, vous êtes un petit peu effacés dans le groupe. C'est dommage. On sent que vous êtes là, vous êtes dans l'énergie et tout, mais je sais pas, il faut essayer de vous lâcher un peu, aller à la confrontation, quoi. Et voilà. Et pour le Summer Dance Battle, c'est important. Qui est un peu touché au hip-hop ou voir autre chose. Au niveau de la chorégraphie, il y a eu beaucoup d'énergie au début. Vers la fin, il y a eu un flottement juste avant la deuxième transition, la deuxième partie. Il y a eu un petit flottement. J'ai pas compris pourquoi. Toi, tu étais un peu stressé peut-être du fait de par rapport au vêtement. Le jury a parlé. Rien n'est joué. Allons voir en backstage les réactions du groupe. Je suis un petit peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il manquait des choses dans notre chorégraphie. En fait, c'est le jury qui nous a fait comprendre ça. Mais bon, après tout, ils ont raison. Mais au niveau de la danse, même moi, je suis fière de mes partenaires parce qu'on s'est donné à fond et c'était bien. C'est toujours le Bagdad, moi, je suis d'accord. Après, ben, je pense que peut-être que c'était pas un concours qui nous... Enfin, c'était pas notre style, en fait. Mais nous, on s'est bien défendus. Moi, je trouve qu'on s'est défoulé. Bon, dancehall, c'est notre spécialité. Et si, comme ils nous ont dit, c'est pas trop ça pour les battles. Mais je trouve qu'on s'est bien amusé. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. Mais rendez-vous demain à la même heure pour la suite du Summer Dance Battle. Édition numéro 4. Such a cutie, baby. Let me see you roll. Spin it, spin it, girl. That make me wanna take you home. Malheureusement, y avait trop de freestyle. Et vous n'étiez pas assez. En fait, vous n'avez pas fait assez de chorégraphie à 4. Pour la synchronisation, il y a eu des problèmes, comme toi, par exemple. En vrai, on connaissait pas vraiment les règles de base. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous demain à la même heure pour la suite du Summer Dance Battle, édition numéro 4. Un battle dance sans précédent, agrémenté de vos artistes préférés. S-Time a fait très fort cette année, Sheriff Aluna, La Fouine, Profa, Terry Brival et bien d'autres. Le Summer Dance Battle le 7 août à Matoury pour le plaisir des yeux et des oreilles.
Smooth TV, la nouvelle web TV. Retrouvez toutes les émissions 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur smooth.tv. Smooth avec